la grande famille des 4x4, SUV ou autres crossover. Si vous êtes un spécialiste, vous connaissez, le monospace familial était un petit peu délaissé. Oui. Et pourtant, ça date de longtemps, ça, monospace. Alors, Renault était le premier constructeur à proposer un monospace compact. C'était il y a 20 ans. Et c'est vrai que désormais, la mode est au SUV, c'est 4x4 urbain. Mais Renault pense que le monospace a encore une place. Il répond à une demande. Et pour cela, il suffit de soigner le design. Et c'est vrai qu'habituellement, les monospaces, leur force, c'était quand même pas le design. C'était des voitures habitables, la modularité était intéressante, confortable. Ouais. Mais le design n'était pas toujours soigné. Et là, Renault a souhaité soigner le design comme il l'a fait pour l'espace. Mmh. L'espace a complètement changé. Donc, démonstration dans les Landes. La mode est au 4x4, au SUV, au crossover urbain. Le monospace a vraiment encore toute sa place car vous avez des clients qui ont absolument besoin d'espace à bord, de modularité et donc ils restent sur ces monospaces. Nous avons voulu tout d'abord améliorer encore tout ce qui est modularité, vie à bord, s'adapter aux familles modernes avec de la connectivité. Et donc sur Nouveau Scénic, nous avons un système très très simple. Il suffit d'appuyer sur un bouton dans le coffre et vous pouvez rabattre vos sièges automatiquement. Vous obtenez un plancher plat et vous pouvez charger tout ce que vous souhaitez dans la voiture. Ces rangements, c'est vraiment une forte attente et donc on a veillé à continuer à améliorer ces rangements, notamment une console centrale coulissante qui est vraiment plébiscitée par nos clients, qui gagne encore 3 litres de rangement. Ce monospace, c'est une voiture qui doit faire plaisir à toute la famille. Pour commencer avec son design. Et donc cette voiture, c'est unique sur ce segment, a des grandes roues de 20 pouces sur tous les modèles. Et c'est ça qui va donner ses proportions inédites. Cette garde au sol rehaussée permet de donner du dynamisme à la voiture et un style vraiment différent de ce que vous pouvez voir aujourd'hui dans la rue. Nous avons beaucoup d'aides à la conduite proposées sur Nouveau Scénic, il y en a 15 très exactement. Et notamment un système de freinage automatique d'urgence avec prise en compte des piétons en ville. Et ce qui est unique sur ce segment, c'est que c'est la seule des voitures à le proposer de série. Nouveau Scénic va pour Renault être la première voiture à proposer un système hybride sur un véhicule diesel. Pourquoi un diesel? Parce que c'est vraiment le plus gros de nos ventes en Europe. Et c'est le moteur qui déjà, à la base, propose des consommations et des émissions de CO2 les meilleures. Et l'hybridation va permettre de gagner 8 à 10% de consommation. Donc il s'agit d'une hybridation légère, donc effectivement vous n'aurez pas de roulage 100% électrique. C'est un système qui va accompagner le moteur thermique qui sera en permanence en action. Et il aide à récupérer de l'énergie dans les phases de freinage et à la redonner pour économiser l'énergie du moteur thermique. Alors le diesel se vend toujours, la meilleure preuve, oui, donc l'hybride diesel, dans la gamme des moteurs, ça va diminuer peut-être, mais pour le moment c'est intéressant pour les sociétés. Il y a 6 moteurs diesel qui sont disponibles et uniquement 2 essences de 95 à 160 chevaux. Et puis c'est tout, c'est ça? J'ai plus de temps? Si. En tout cas c'est une voiture qui a un prix compétitif, bien équipée. Et par rapport à l'ancienne génération, ça n'a plus rien à voir, tant au niveau du design, des équipements. Et c'est encore plus, la modularité est encore plus intéressante, puisque vous avez vu, on appuie sur un bouton et on a directement le plancher plat, alors qu'avant, on devait enlever les sièges qui sont des sièges très lourds. Oui, et puis il fallait avoir des muscles de bûcheron, parce que on ne sortait pas. Voilà. Alors, et puis le principe, c'est qu'on enlevait les sièges, on déménageait. Et puis sur place, on n'avait plus les sièges. Tandis que là, on a toujours les sièges avec soi.